Bien, salut à tous et à toutes, c'est Razor et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Du coup il y a ce petit oiseau qui me fait chier là. Voilà. Merci de me rembourser mon cœur. Du coup on devait se rendre au temple du temps. Alors du coup, je sais plus c'est quoi le champ, du coup je vais pas aller loin. Ok. Attends. Voilà. Ok. Je t'attendais, Link. Shake. Link, héros du temps, tu as traversé bien des épreuves pour réveiller les six sages. Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'adore me dire du malin, alors que c'est juste du mal. J'ai certaines choses à te dire, écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la triforce connue des Sheikas. Désolé. Le peuple de l'ombre. Ah, on va en savoir plus. Toi, quêteur des saints, triangle, écoute bien. Et triangle sacré repose en un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'âme. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme ciel pur. Elle se changera au paradis. La triforce, le triangle sacré, est une balance qui équilibre les trois puissances, force, sagesse et courage. Si l'âme du porteur des saints triangles préserve cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime puissance. Mais si son âme est tourmentée, la triforce se brisera en trois parties, la force, les sagesses et le courage. À celui qui a brisé l'équilibre, il ne restera qu'une pièce, celle qui correspond le plus à ses ambitions. Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les deux autres pièces. Ces deux pièces seront transmises aux élus du destin. Ils porteront la marque de la Triforce au dos de leurs mains. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le Temple du Temps pour violer le Saint Royaume. Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce s'est brisée en trois parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Grâce à sa Triforce, il peut devenir le seigneur du mal. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin. Pour s'approprier les deux pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du Courage, c'est toi, Link. Le détenteur de la Triforce de la Sagesse est le 7e sage dont le destin est de conduire les autres éveillés.
C'est moi, Zelda, princesse d'Hyrule. Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité, mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a 7 ans, Ganondorf prit d'assaut le château d'Hyrule. Je t'ai vu en m'enfuyant du château d'Hyrule. Je pensais que te confier l'ocarina était notre seule chance. En te confiant l'ocarina, je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de violer le Saint-Esprit, mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert les portes du temps, l'épée de légende t'a envoyé dans le Saint Royaume. Ton esprit s'est endormi dans le Saint Royaume et Ganondorf viola ce lieu sacré pour se saisir de la Triforce. Ganondorf est devenu le roi du mal. Ce coup-ci, disent bien du mal. Et sous son règne de haine, Hyrule s'est transformé en une terre hostile. Je pris apparence d'un Shaker en attendant l'éveil de ton esprit. Pendant 7 longues années. Désormais, et grâce à toi, le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Les 6 sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint Royaume. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi Ganondorf, le seigneur du mal, disparaîtra d'Hyrule. Link, ton devoir est de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une arme qui pourra pénétrer les défenses du seigneur du mal. L'arme sacrée de l'élu. La sainte flèche de lumière. J'ai pas la flèche de feu, j'ai pas la flèche de glace, mais j'ai la flèche de lumière. Ok. Vous obtenez la flèche de lumière, assignez-la à C pour clarité et disparaître le mal. Cette secousse, c'est... Princesse Zelda, petite cachetière. Je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais, tu as baissé ta garde et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Ma seule erreur fut de sous-estimer sa puissance. Mais sa puissance n'est que misère, sa seule force est la Triforce du Courage. Grâce à la Triforce de la Sagesse, celle de Zelda, deux parties seront en ma possession. Et bientôt tu me remettras ton fragment, je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse, viens la chercher au château. Eh bien écoutez, allons-y. Du coup attendez. Je n'ai pas de flèche par contre.
me donner des flèches ou pas? Non. Bah c'est pas grave. Nous on va là-bas. Château de Ganon. Oh putain. L'ambiance. Non, ça se casse pas, ok. Non. Écoutez, il avait envie de sauter. Il s'est suicidé. Ah, il fallait aller là. Link, c'est moi. Roru, tu peux m'entendre? Nous, les six sages, allons concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le château de Ganondorf. Le donjon, la tour de Ganon, est protégé par six barrières maléfiques. Abat ces barrières et sauve la princesse Zelda. Allez. Merci les sages. À plus tard. Tour de Ganon. Ah ouais, d'accord. On va commencer par le vert. Voilà. Yes. Par contre, attendez. Ça sert à quoi ça? Ça me paraît bizarre les trucs à mettre en feu.
Et après... Dernière. Voilà, ça a ouvert là. Je disais bien que ça allait servir à quelque chose. Alors du coup sur ça, faudra utiliser... J'attends qu'il s'allume, puis je fonce. Voilà. Est-ce qu'il me reste des bombes? Deux. Faut pas que je me foire. C'est bon. Celui-là, comment je peux l'avoir? Ok, c'est avec celui-là là-bas. Là, pour faire les sauts, je vais quitter les bottes. Je vais attendre qu'il s'éteint. Comme ça, j'irai la chercher et puis je ferai demi-tour. Putain. Pute, quand je saute, il s'active. Oh non. On en parle de ce gaspillage. Ok, au revoir les bombes. Voilà. Putain, mais le bâtard. Non, j'ai plus de bombes. Mais non, mais en plus le vent qui s'active 3 ans après, putain. Eh, on attend.
Si, attendez. J'attends que lui s'éteint parce que la dernière fois je me suis fait niquer. J'ai sauté, il était éteint, il... Maintenant. Putain! Ah! C'est pas grave. Écoutez. J'ai plus de bombes, j'ai plus rien, c'est nickel. C'est la joie. Heureux donc. Alors là, j'avais pas arrivé. Du coup, on va essayer celui-là. Oh non. Mais je l'ai. Il en reste un où? Alors ceux-là, ils veulent vraiment que je sois suicidaire. Oh non. Attends, j'ai tout su. Même si avec... Est-ce qu'avec un game over... Allez. Non, c'est good. Ok, voilà. Voilà. Des rubis. Oh non, des... Oh, ça c'est bon. Oui, ça c'est... Oui, je connais. Ne vous inquiétez pas. Un peu au mur, à l'attaque. Ah ouais, c'est bon, j'ai vu. Ouh. 20. Oh, ils m'ont régalé.
dans le mille. Ah. Comment je peux faire pour ça? Ouais. Vous pensez que parce que j'ai pas effet de feu ni effet de glace, je peux être bloqué? Putain, si c'est ça, je suis deg. Oh bon bah moi je j'ai aucun. J'ai plus qu'un truc à faire. Putain. Bon, du coup, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Puisque là, je suis vers là-bas. Pour aujourd'hui, j'en ai marre. Et que là, bah, là, il me faut les flèches de feu. Du coup, c'est chiant. Voilà. Et ensuite, je pense pas que je pense que je peux aller aux autres ou pas. Ah ouais, mais faut que je descende. Ah ouais, je peux aller aux autres. Mais bon, pas pour l'instant. Ça fait quoi s'il fait là? Ouais, je perds des cœurs. Ok. Du coup, moi les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.